avant de continuer. Fait que c'est quoi la littératie physique? Ben, tu vois, pour faire peut-être le lien entre les deux, la littératie physique, en fait, ça va être le développement si on veut, des compétences de base qui vont servir dans le reste de ton activité physique. Souvent, puis je pense que Marianne en avait parlé un peu, ça va beaucoup, on peut beaucoup le comparer dans le fond à l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Tu vas apprendre des mouvements isolés pour éventuellement les mettre ensemble. À la base, chaque jeune devrait apprendre comment courir, comment sauter, comment tourner, comment comprendre son environnement, comment, on va dire, rouler au sol, faire une roulade. Puis tous ces éléments-là, dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'après, tu vas pouvoir les mettre dans des séquences continues, puis tu vas pouvoir faire l'activité sportive avec ça. Un peu comme quand on écrit. Si j'écris la lettre A, ben la lettre A, on commence toujours par ça. Commence à écrire les lettres, mais ça fait aucun sens. Tu écris juste des A. Quand tu es jeune, tu vas juste sauter ou tu vas juste courir sans but vraiment précis. T'sais. Après, ben, tu vas peut-être jumeler deux ou trois de ces compétences-là. Tu vas dire, ben, je vais courir, je vais sauter par-dessus la haie, puis je vais aller toucher le cône. Ça, en soi, c'est pas un sport, c'est pas rien. C'est une séquence, si on veut, de mouvement, comme si tu écris le mot bateau. Le mot bateau, il sert à rien si tu le mets pas dans un paragraphe. Mais tu as réussi à écrire le mot bateau, comme tu as réussi à sauter par-dessus une haie et toucher un cône. Puis plus tu vas y aller, puis plus tu vas te mettre en confiance, mais là, tu vas pouvoir mettre ça dans une autre perspective. Fait que ton mot bateau, tu le mets dans un texte, dans un paragraphe, et c'est là que ça va prendre tout son sens. Mais c'est le même principe après, tu apprends à sauter par-dessus une haie, puis après ça, ben, tu vas toucher au cône, mais quand tu vas être un petit peu plus vieux, puis si je reprends l'exemple du soccer, ben, ça va pouvoir te permettre de courir, sauter par-dessus un adversaire qui est au sol, puis aller taper dans un ballon. Cette séquence-là va se complexifier avec le temps. La littératie physique, c'est l'objectif d'un côté, c'est que tu ailles chercher tous ces éléments de base-là pour avoir toute cette base motrice-là, qui après ça va te permettre, avec confiance, d'aller participer à différentes activités physiques. Comme c'est une base commune au sport, ben, si tu apprends à attraper, ça te permet de jouer au baseball, au football, un paquet de sports qui vont nécessiter cette compétence-là. Puis souvent, c'est ce qu'on prend pas le temps assez de développer avec les jeunes. Puis ça, c'est un peu le volet physique, mais tu as le volet aussi de confiance chez les jeunes. C'est ça, j'allais aborder, pour avoir lu sur la littératie physique, j'ai découvert qu'il y avait aussi un aspect psychologique. C'est pas juste, encore une fois, la mécanique du corps, Non. mais c'est comment, j'ai l'impression, le jeune se perçoit, puis comment il va accomplir des choses qui lui plaisent. Je vais te laisser en parler. Fait que c'est quoi le volet confiance, motivation? Ben, tu vois, le lien là-dessus, c'est que ce qui est beau avec la littératie physique, c'est que personne ne peut vraiment échouer. C'est ça qui fait la grosse différence avec on va dire, l'initiation au sport, surtout chez les jeunes. Si tu prends un jeune de 5 ou 6 ans, peu importe dans quel sport tu le mets, la réussite reliée, dans le fond, au but final de l'exercice, disons, soccer, c'est de marquer un but. Souvent, le jeune va marquer un but, tout le monde va applaudir. Personne n'applaudit quand il fait une passe. Personne n'applaudit quand il a fait un bon contrôle. Tu t'attends à ça. L'objectif final, c'est de marquer un but. Alors que, puis ça, c'est la portion qui me fascine à chaque fois. Si tu prends un jeune, puis que tu donnes une commande simple, tu dis saute par-dessus une haie. Ben, le jeune, il saute par-dessus la haie, il vient de faire, c'était ça l'objectif, sauter par-dessus la haie. Il réussit, il est content, et étrangement, le parent est aussi content, habituellement, surtout chez les jeunes, que s'il marque un but. Puis ça, c'est fou parce que c'est ce qui va amener, dans le fond, le parent à féliciter le jeune, à l'encourager, puis c'est ce qui va faire prendre la confiance au jeune. La littératie physique, c'est tous ces petits éléments-là, tu sais, courir d'un point A à un point B, sauter par-dessus une haie. C'est modulable. T'sais, marquer un but dans un filet de soccer, c'est pas vraiment modulable. T'sais, tu prends le ballon, tu vas marquer le but. T'sais. La haie, c'est tu sautes dans une petite haie, tu réussis, félicitations, et tout le monde est heureux. On va essayer une moyenne haie, on va essayer une haute haie, puis graduellement, tu peux l'amener, dans le fond, à bâtir sa confiance. Puis c'est l'élément central, en fait, on va dire, de l'intérêt que les jeunes vont porter après pour l'exercice physique. Fait que, si tu jumelles, tu arrives à bien développer tes aptitudes de base, plus le jeune a confiance en ses capacités, ben c'est plus facile pour l'initier après à différents sports. Il n'y a pas vraiment de crainte d'y aller. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard. Puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!